Cher futur moi, tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tu vis bien ta vie, que tu es heureuse. Dans 10 ans, j'aurai 25 ans. On est le 13 janvier 2022. On a toujours ce foutu Covid, mais bon, on vit avec maintenant. J'espère que dans 10 ans, le Covid sera disparu, comme ça, tout le monde vivra sa vie et tout. J'espère que tu as réussi tes études. J'espère que tu fais le métier qu'on voulait, infirmière puéricultrice. Parce que en fait, on a toujours voulu travailler avec des enfants, parce que notre maman, elle est nounou. Ma plus grande peur dans le futur, c'est que tu ne sois pas heureuse, que tu n'aies pas réussi à faire le métier que tu veux. Mais même si, rappelle-toi, même si tu n'as pas réussi ton métier, tu peux toujours en faire un autre. Parce qu'on a quand même plusieurs rêves. Si t'as pas réussi à infirmière puéricultrice, essaye boulangère ou pâtissière. Parce qu'on a toujours aimé faire du pain, des gâteaux, des petits trucs. Alors j'espère également que tu dessines toujours, parce qu'on a toujours, comme tu le vois derrière, toujours aimé dessiner des mangas. Bon, celui-là il est pas terminé, mais il est beau, hein. C'est Levi, hein, on a toujours aimé Levi. J'espère aussi également que tu n'es pas trop riche, mais que tu n'es pas pauvre non plus, parce que, bon, ok, maintenant, là, tout de suite, à mes 15 ans, à nos 15 ans, on est quelqu'un qui dépense tout le temps son argent dans des mangas ou dans de la bouffe. Donc j'espère que ça a changé, parce que faut pas gâcher ton argent pour ça. Faut acheter des habits, garder de l'argent aussi pour une maison ou un appartement. J'espère également que tu aides toujours ta maman. Ta maman, c'est ta maman, elle reste ta maman, quoi. C'est pour toute la vie, à un moment. J'espère que aussi ton papa, enfin notre papa, nous comprenne un peu plus. Parce que, ben, il s'intéresse pas trop à notre vie, mais on l'aime quand même. J'espère aussi que ton grand frère, hein, parce que t'as deux grands frères, malheureusement, t'as pas de petite sœur ou de grande sœur, bah j'espère qu'il te fait plus trop chier. J'espère également que tu as des enfants, mais j'espère que le garçon ou la fille, parce que enfin, on est bi, donc même si c'est une fille, j'espère que tu as adopté. Et si tu as eu un garçon, j'espère qu'il est bien pour toi. Ne te fie pas trop aux apparences, hein. Il peut être. En fait, c'est pas l'apparence qui compte, pour moi. Enfin, là, en ce moment, c'est ici. Dans 10 ans, peut-être que ça aurait changé, mais moi, c'est le caractère. C'est pas la beauté. Enfin, si, j'espère qu'il a des yeux bleus parce que j'aime bien les yeux bleus. Et j'espère que aussi tu habites dans un endroit chaleureux où tu t'y plais. Où tu pourras jouer avec tes enfants. J'espère aussi que tu es heureuse. Enfin, c'est tout ce que je veux en fait. J'espère vraiment que tu es heureuse. Ben voilà, alors bon, ben je te laisse dans 10 ans, hein. Au revoir. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.